Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Tezo Tamriel Unlimited, donc c'est The Elder Scrolls Online. Donc on va parler à Tamien Célan avant tout. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les gens commencent à se faire à l'idée de lutter contre les Freux écarlates. La mauvaise, c'est que les Freux écarlates s'en sont rendus compte. Les conseillers soutiennent la résistance. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour inspirer le peuple. Oui, je sais. La résistance peut maintenant s'organiser pour rien. Afin d'éliminer les Freux écarlates. Tout à fait d'accord. Tous ceux qui s'opposent à Sternis Gelves finissent dans la mine de Croix-Salan. Il y fait travailler les prisonniers jusqu'à la mort. C'est intéressant, nous devons fermer bien. Les mines pour priver les Freux écarlates de leurs ressources. Pas de retraite. Parlez-moi des mines. À leur arrivée, les Freux écarlates ont pris le contrôle des mines. Ils font travailler les mineurs jour et nuit. Ils utilisent aussi la mine comme prison contre ceux qui se révoltent. La conseillère Lia, Suriel le forgeron, Hélène l'aubergiste ont tous été envoyés dans les mines. Et j'imagine que vous voulez que je les sorte de là. Ce serait parfait. Oui. Si vous parveniez à libérer Hélène, Suriel et la conseillère Lia, la ville entière reprendrait confiance. Faites-leur savoir qu'on se prépare. Peut-être pourriez-vous aussi aider quelques-uns des mineurs. Retrouvez-moi derrière l'auberge quand vous aurez terminé. Je peux m'en charger. Parlez à tous les mineurs que vous pourrez approcher sans éveiller les soupçons. Dites-leur que nous nous organisons. Ou bien contentez-vous de tuer les Freux écarlates dans la mine. Les mineurs essaieront de s'échapper si vous leur ouvrez la voie. Je ferai tout mon possible pour intervenir dans les mines. Votre démarche mettra du baume au cœur des citoyens, j'en suis sûr. On raconte que vous avez parlé à Marent Ergend. Autrement dit, nous aurons bientôt des renforts pour nous aider à chasser ces vils scélérats. Si tu le dis. Pourquoi pas. Vendu. Bon, encore une fois, j'ai l'impression qu'on va faire tout le sale boulot. Parce que lui, il va juste se planquer derrière l'auberge. C'est par où? C'était par là. Hop. Et hop. Trop bas. Un étage trop bas. Dommage. Alors. Ici. Donc, taper des gens dans la mine, parler à tous les mineurs, leur dire de se barrer. Pourquoi pas. Dans la mine. Pourquoi il est devenu rouge? Ah, je crois que j'ai été repéré en fait. Couché. What? Belle esquive. Bon. Oui, voilà, c'est ça, ils sont tous sur leur garde maintenant. Un garde qui ne prend pas garde. Je ne vais pas la refaire. J'espère que vous avez vu la référence, chers amis. Hop les. Merci. Ah, ça va, c'est pas trop chaud. Bon, au passage. Hop, l'autre recherche n'est pas terminée. Bon, bah écoutez, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a du boulot. Ok. Tu ne m'as pas vu. Hop là, ça c'est fait. Ninja. Il y a un bouquin ici. Lamentation d'un mineur. Jolie esquive. Appelez. C'est l'heure de la fuite. La mine de Croix-Salon.
Au début du 24e siècle de la première ère, une source de minerai fut découverte sous les collines de la Glénombrie du Nord par le célèbre Pinifred Laven. Une grande mine fut creusée pour extraire le minerai et la ville de Croix-Salon fut fondée pour héberger les mineurs. Intéressant. C'est parti. Je vais faire, c'est comme ça. Putain, mais il fait hyper mal en fait lui. Hop les. Bonjour madame. Là. Eh hey mec, casse-toi. Je dois m'en aller. Oui. Et hop, non. Je dois m'en aller. Oui. Tu le dois. Et tu le dois à qui? À Bibi. Bon, c'est intéressant malgré tout. Alors... Je dois m'en aller. What? Pétrifié. Intéressant aussi ça. C'était joli. J'aurais dû m'y... Ah, ils sont deux là. Non, tu deviens pas de la pierre, dommage. Vous voyez bien que je suis occupé. Trop de choses à faire et si peu de temps. Ok, bah lui il aime bien son boulot. C'est quoi ce bordel au niveau du sol? C'est quoi ce sol? Je suis drogué ou quoi? Une révolte, j'en suis. Putain non, c'est de l'eau. Paieront pour ce qu'ils ont fait ici. Si tu le dis. Pas genre un coffre, non? Non, même pas un bouquin, bah non, surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Petit coup d'arc, boum! Et boum! Je dois m'en aller. Oui. En effet, ce serait pas trop mal. Et boum! Et boum! Boum! Je l'avais pas vu. Et boum. Et boum. Fallait réagir plus vite. Je dois m'en aller. Oui. Boum. 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 Donne-moi ta vie. Boum. Boum.
Voilà. Non, ça il me le faut ça. Non, c'était un allié. J'ai eu peur à l'espace d'un instant. Faut que je puisse le désenchanter. Ouais, mais ce que j'ai est mieux. Merci encore à Shibito. Le plan de Ceylan me plaît. Je vais l'aider. Merci. Oh, je m'attends à un truc du coup du style. La conseillère, en fait, c'est elle qui gère les mines, tout ça. Quoi ? Qui c'est ça ? Oh putain, c'est un joueur. Et bim ! Voilà. Tu dois m'en aller. Oui, tu dois t'en aller. C'est quoi cet endroit ? Ah bah attendez, presque un bonus dans le coin. C'est pas moi qui pue, dis donc. What? Faites le tour. C'est quoi ce bordel? Crève! Repop à la con! Putain de repop! Casse-toi! Ouais, ouais, c'est ça, et profite. Je dois m'en aller. Voilà. J'allais rejoindre Ceylan, il lui prêtait main forte lorsque l'effreuse écarlate m'ont capturé. Il est temps de finir le travail. Et voilà, on a pu voir tous son pote partir devant. Bleu, chers amis. Non, mais pour y attendre 2 minutes, merde. Voilà. Bon, pas important. Rejoignez Tamien Ceylan, Ceylan à l'auberge. Croix Ceylan. Je suis curieux de voir où est-ce que je vais sortir avec tout ça. Alors. Bla. Trop de bordel sur mon bureau. D'accord, bah si j'avais su, je serais rentré par là directement. Gagner du temps, dit-elle. Oh. Et parce que là, il ne m'a pas vu, chers amis. Pensez-vous.
C'est pareil, elle m'a pas vu non plus. C'est des aveugles dans ce jeu. Lui, là, par exemple. J'allais lui dire de s'en aller. Il m'a vu. Non ? Ah bah non, apparemment non, il m'a même pas vu. Ça sert à rien. Ok. Voilà. Bon, ça en fait des gens. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à parler de la chaîne autour de vous. C'est un excellent moyen que vous avez pour me faire connaître les amis, je vous en remercie. Quant à moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. J'ai complètement chié mon outro.